Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Bull Run sur les Small Caps. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre, vous avez l'ensemble des réseaux sociaux que sont Twitter, euh, TikTok et Instagram, Tino-du-bas-bourse et bien évidemment le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, dans quelques dans quelques jours nous ouvrirons très certainement dix nouvelles places supplémentaires pour le salon restez attentifs donc et l'inscription sera sur le site pepitortrade.com mes partenaires donc évidemment Trade République euh, avec qui euh, vous pouvez ouvrir un compte avec le code euh, qui s'affiche sur l'écran pour bénéficier d'un cadeau de bienvenue hibou l'expertise fondamentale j'y reviens Urutia mes amis pour Passez votre patrimoine au niveau supérieur, avec qui on prépare une vraiment une top vidéo. Vous allez vous régaler, le prochain webinaire patrimonial, sujet très très intéressant, euh, très peu abordé, vous verrez. Euh, vraiment un sujet génial. Normalement, ça devrait sortir d'ici une quinzaine de jours si on avance assez. Euh, et puis, bien évidemment, le logiciel Pro RealTime que vous connaissez, qui est gratuit, qui est le logiciel d'analyse euh, ben, technique que vous voyez travers toutes mes vidéos, petit zoom sur mes amis euh, d'Eboo, pour lesquels j'interviens en tant que consultant technique Eboo, c'est euh, des spécialistes du fondamental qui ont décidé de, euh, de conjuguer le fondamental à la technique, et désormais donc on propose bien évidemment sur le site des fiches, et également euh, un live toutes les semaines, donc vous avez toutes les analyses sur le site eboo.expert. Donc on a un gros programme, et d'ailleurs je vous remercie parce que, il y a eu un nombre incalculable de propositions et de belles propositions. Merci beaucoup pour ça. Donc, on aura du Soatec, Mersenne, Xfab, Erame, ALD, Alphen, Justit, Esquer, Solution 30, Nexity, Hoffman, Ibsen, Voltania, Eoneo, Valneva. Il n'y a pas que des small caps, hein, bien évidemment. Il y a aussi des mid et euh, quelques, quelques big. Ubisoft, Valeo, Trigano. De Richbourg, Imeris, Interparfum, Pierre Vacances, Ruby, Basic Fit, Fnac Darty, Nakon, Nacon, comme on, on le prononce, ça dépend, Adosia, Nextedia, et puis Seb, avant de passer au titre à suivre, que j'aime d'ailleurs beaucoup et qu'on suit depuis un petit moment, je pense qu'il est en train de donner des signaux plutôt positifs. Comme d'habitude, merci mille fois pour vos encouragements, merci mille fois pour vos soutiens, merci mille fois surtout. Et la semaine dernière, vous avez été. Au rendez-vous des commentaires sur les vidéos, donc ça permet bien évidemment à chaque fois que vous mettez un commentaire de faire progresser la chaîne, de référencer la chaîne. Donc merci beaucoup à chaque fois de laisser un petit commentaire, un petit mot gentil, ça fait du bien, ça donne de l'énergie et croyez-moi, ça motive pour continuer. Euh, je m'excuse par avance parce que je suis, euh, j'ai pris froid, donc je ne sais pas si j'aurai le même dynamisme et la même clarté entre guillemets que d'habitude, mais voilà, je tenais quand même à être présent. Allez, on attaque. Avec, euh, eh bien, évidemment, alors, Interparfum, je vais un peu vite, on va revenir d'abord en arrière, on va commencer par le commencement avec le K40, euh, je vais allumer, hop, ma petite webcam, me voici, me voilà, donc, le K40, en effet, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt aujourd'hui d'analyser le K40 parce que c'est aussi point à la ligne. Le ratio gain-risque, pour moi, il est plus bon. Je pense que la majorité de la hausse, elle a été faite. On peut bien évidemment continuer, on peut aller chercher 8,5, tout est bien évidemment possible et envisageable. Mais je pense que, voilà, on commence à piétiner et je verrai bien une espèce de, voilà, de range qui se formerait pendant un petit moment avec plus ou moins de volatilité. Et c'est là où c'est intéressant pour moi, puisque, vous le savez, on en a parlé depuis plusieurs semaines, euh, c'est là où on pourrait avoir, et c'est ce qui est en train de se passer, visiblement le scénario qu'on avait établi est en train de, bah, de se produire, c'est qu'on pourrait avoir, et donc je vais basculer, on pourrait avoir une rotation des grosses capitalisations vers des mid and small, notamment des small, qui pourraient faire du rattrapage. Alors, on a ce phénomène-là également aux états unis avec un Russell 2000 qui, ces dernières séances à, à surperformer le SP, le Nasdaq et le Dow Jones. Euh, et pour le CAC Small qu'on étudie depuis un petit moment, souvenez-vous ce qu'on s'était dit. Euh, on s'était dit, voilà, on a la cassure, on a le pullback, on a une congestion qui est assez rare, hein, qui était assez rare, et je vous avais dit, c'est assez simple. Euh, en dessous des 11 300 points, on est prudent, ce sera certainement une réintégration de figure, et donc là, il faudra faire attention, blablabla, blablabla. Bla bla Au-dessus des 11 500 points, et on l'a vu avec les trois mèches de jeudi de la semaine d'avant, mardi et puis jeudi de cette semaine, on a vu qu'à chaque fois, il y avait des acheteurs qui étaient présents. Donc je répète et je réitère ce que je disais dans les semaines précédentes. Tant qu'on est au-dessus des 11 500 points sur le CAC Small, je pense qu'il faut continuer d'acheter le marché des mid- and small. J'élargis un peu au mid. Euh, D'autant que ce que je vois et ce qu'on va voir tout au long de, la, de cette vidéo, c'est qu'il y a quand même de très belles choses à faire. J'en profite pour vous remercier pour euh, également euh, le, le, voilà, les, les soutiens pour la vidéo euh, précédente qui a rencontré un vif succès. Donc euh, on essaiera de, de la refaire. On m'a demandé d'autres thématiques qui sont vraiment géniales, euh, notamment, euh, notamment deux ou trois que j'ai notées. Euh, donc ça peut être intéressant également de faire des vidéos à thématiques. Euh, plus que des vidéos globales, donc il y aura toujours bien évidemment les vidéos hebdo, hein, c'est le cœur, euh, le cœur de, de ce que je fais, mais peut-être voilà, faire des vidéos un petit peu plus thématiques, small cap, un petit peu plus thématiques, euh, les 40 meilleures performances pour acheter des repis, etc. etc. Je vois que ça vous, ça vous plaît, moi aussi, donc euh, on ira peut-être également euh, sur ça, il y a également d'autres vidéos qui vont arriver, il y a beaucoup de, de projets, beaucoup de contenus qui vont arriver, mais ça met du temps parce qu'il faut le construire. Euh, donc voilà, pour moi, hein, pour les smalls, alors le signal, hein, le véritable signal de retournement à moyen terme, on l'aura bien évidemment hein, au-dessus de cette zone en bleu, au-dessus au des 11.009 pour, pour, pour faire sem des 12.000. Au-dessus des 009-12 12.000, là par contre, là on aura le signal de retournement. Pour le moment, on a eu la congestion, on a la cassure par le haut, on a la, la congestion intermédiaire et là on se met dans de bonnes dispositions pour pouvoir relancer. Donc moi je pense que euh, tout en ayant conscience que <laughs> généralement le mois d'avril, est un mois favorable, notamment pour les small caps, je pense qu'on peut avoir un effet rattrapage assez important sur le mois d'avril. Alors évidemment, il faudra que les indices, euh, certes, consolident à plat, mais surtout ne baissent pas fortement, puisque là, si évidemment les indices se mettent à chuter pour une raison qu'on ne connaît pas encore, euh, eh bien, il y a de très fortes probabilités pour que les small caps euh, souffrent pour autant. Euh, à ce stade, ce n'est pas mon scénario principal. Mon scénario principal, c'est qu'on ait quelques semaines d'accalmie sur les indices et que éventuellement on ait cette fameuse rotation de flux. Alors attention, euh, là aussi, je, je, il y a pas mal de commentaires qui sont, qui sont faux. Euh, puisque euh, enfin, selon moi qui sont faux je vous explique pourquoi euh, certains m'ont dit il y aura très probablement il y a pas de la semaine d'avant il m'avait dit il y aura pas de, de de bull run sur le sur les small cap parce qu'il n'y a pas de flux euh, alors c'est juste partiellement puisque pour moi en effet il n'y a pas beaucoup de flux au moment où je vous parle clairement dans les carnets d'ordre on le voit il n'y a pas de flux il n'y a pas beaucoup de volume on le regardera individuellement pour certaines actions il n'y a pas un flux monstrueux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait, bien évidemment, en 2020, rien à voir avec ce qu'on avait même euh, avant, par le passé, etc. Il euh, y a très, 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 très peu de volume sur les, sur les mid and small. Pour autant, euh, il faut pas se tromper. c'est pas parce que vous n'avez pas énormément de flux que les configurations ne peuvent pas casser par le haut et ne peuvent pas. Euh, progresser et faire des robots techniques un petit peu plus plus, d'accord Il suffit qu'il y ait tout simplement un petit peu plus d'acheteurs que de vendeurs, et des vendeurs, pour moi, sur les Millions Small, j'en vois plus trop, puisque, bien évidemment, c'est un marché qui a beaucoup baissé. Je pars du principe que, euh, eh bien, les gérants de fonds, notamment euh, Small Cap, qui ont tenu toute la baisse, ben, c'est pas maintenant qu'on se met dans de bonnes dispositions avec des valorisations qui sont intéressantes, qui vont se mettre à lâcher leurs titres Très peu probable sauf évidemment signe noir, etc., etc. Mais très peu probable quand même. J'ajoute que dans la perspective euh, du, du pivot des banques centrales, s'il y avait une classe d'actifs qui pourrait, qui peut potentiellement en profiter, c'est bien les small caps qui ont tant souffert avec ces hausses de taux euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Okay Donc voilà pourquoi... Euh, cet ensemble de choses et, et euh, historiquement en termes de sous performance hein, on est sur des plus bas depuis, depuis 20 ans 30 ans hein, en termes de, de, de valorisation en comparaison entre les 1000 et les small donc c'est un ensemble de choses qui font que alors bien évidemment on peut se tromper mais il me semble qu'on a un certain nombre de probabilités qui me font penser qu'on peut avoir en effet un effet rattrapage et ça tombe bien puisque on va le voir sur bon nombre de titres euh, dans cette vidéo on va le voir il y a des configurations qui me semblent intéressantes voilà. Euh, alors une qui n'a pas malheureusement une configuration intéressante, mais je voulais vous la montrer parce que elle a fait l'actualité. Bien évidemment c'est Soitec Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, sur Soitec ben, on a eu une chute assez impressionnante. Alors souvenez-vous, hein, on avait parlé. Euh, on avait parlé de ce support oblique. C'est là aussi où l'analyse technique a, a, a toujours de la pertinence, que ce soit pour acheter mais également pour vendre. C'est qu'on avait un support oblique qui était ici en bleu. Hein, on le voit, touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On était revenu même une cinquième. Vous avez dit, voilà, tant qu'on reste dans les parages, tant qu'on tient grosso modo les 127, c'est positif. À partir du moment où on lâche les 127 il va falloir redevenir beaucoup plus prudent. Non seulement on les a lâchés, donc des fois, on n'a pas vraiment de signaux techniques qui, qui nous alertent, mais là, on, on avait lâché cette zone. D'ailleurs, on avait fait un double appui qui avait fini par lâcher. Donc pour moi, le signal de vente, il était clairement ici, d'accord Surtout en clôture, au niveau des 124. Et en plus, même si on avait la congestion, on avait derrière une annonce des résultats. Alors, ça, c'est pour le côté négatif. Maintenant, le côté plus positif. Le côté plus positif, c'est que pour moi, sur Soatec... Alors évidemment c'est toujours la même chose, hein, dès qu'une action perd 20-30% euh, et qu'on dit ben on arrive sur un premier support, tout le monde dit mais non ça va aller beaucoup plus bas, etc. On m'a fait le même coup sur Edenren quand j'ai proposé le support oblique, on m'a dit Edenren c'est fini, etc. Je peux la remontrer d'ailleurs, Edenren, avant de revenir avant de revenir à sur ça. Voilà. Lorsque j'avais proposé euh, sur Twitter, j'ai fait le tweet ici, alors on était ici pile, euh, au plus bas, tout le monde m'a dit mais non Edenren c'est fini, et puis finalement le support, comme très souvent il a été acheté, et derrière, on a repris euh, 11%. D'accord Donc voilà, attention de ne pas tout mélanger. C'est toujours pareil, les, les émotions. La même chose sur Kering. Hein, Kering, Beaucoup de gens en parlent en ce moment. Pour le moment, Kering, on est sur un support. Donc il y a eu effectivement un profit warning, tout ça, etc. Pour le moment, le support est bien. Si on lâche les 340 sur Kering, euh, effectivement, on pourra dire que. Mais encore une fois, il faut sentir à la technique. Ouais, je ne voulais pas parler de tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est pareil, les émotions, etc. Euh, tech donc je reviens sur mon graphe mensuel soit tech on est pour le moment je dis bien pour le moment sur une zone importante donc voilà euh, est-ce que c'est les 92 est-ce que c'est les 100 peu importe c'est une zone pour le moment on est revenu dessus alors oui le, ch le, le chandelier moi je ne un... <laughs> vais pas vous dire que c'est un beau chandelier bien évidemment vous le voyez comme moi c'est un, un grand chandelier mensuel au finit quasiment mon plus bas voilà. on verra évidemment c'est une zone qui avait fait résistance euh, en 2019. Donc on verra, il y a une deuxième zone euh, que je surveille, évidemment, euh, c'est euh, la zone qui est ici, qui est plus bas, aux alentours des 45 jusqu'à 57. Donc on verra, trader, pour moi, on est dans la zone, dans la, dans la première zone, investisseur, c'est la même chose. Si, malgré les chiffres, etc., vous avez un avis fondamental qui est positif sur SoTech et que vous n'êtes pas un trader, est-ce que investir une première... Euh un Premier tiers, une première moitié de position sur les 95, c'est une erreur. Très sincèrement, je ne pense pas. Euh, à condition voilà de bien écarter, de bien accumuler, un, de bien étudier les fondamentaux, il faut être convaincu des fondamentaux, et ensuite se dire bon, ben, j'aurai une deuxième zone ici, je monnaie manage ma position, puisque cette position sur SoTech euh, rentrerait dans une diversification de portefeuille intéressante, importante, etc. Donc, c toujours pareil, il faut mesurer son risque, même un investisseur long terme doit. Euh, bien évidemment mesurer son risque et su évidemment sur Swatek so ben, les, les résultats ne sont pas bons si vous avez une baisse c'est que les résultats ne sont pas bons les opportunités se font pas avec de très bons résultats c'est pas vrai, euh, il faut toujours une news pour baisser bon, maintenant, et c'est toujours la même chose les résultats c'est à l'instant T ce qu'on veut nous, ce qu'un investisseur long terme veut, c'est qu'on ait des bons résultats dans 5 ans, la question est de savoir si les résultats dans 5 ans sur Swatek so seront meilleurs qu'aujourd'hui, et un investisseur long terme a le droit de penser que oui euh, donc voilà, première position éventuellement sur les 95, deuxième position éventuellement sur les 45. Ça vous ferait un pru moyen, on va dire par là, hein, grosso modo, aux tour des 75. Est-ce que avoir un prix moyen sur 75 euros au niveau de Soitec pour le long terme, c'est un mauvais prix Je ne suis pas persuadé euh, que, que ce soit un mauvais pru. Voilà, bon, après, chacun, encore une fois, prendra ses, ses décisions. Ok, moi mon job, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire. Mon job, c'est de vous présenter des graphiques, de vous présenter des zones. Et après, bien évidemment, il euh, faut arrêter de, prendre les... de croire que les gens sont des idiots. Euh, je sais qu'on vit dans un monde où, où on fait que dire que les, les gens, et notamment les Français, sont des imbéciles. Moi, je crois que non. Je crois qu'au contraire, les gens sont très intelligents et que les gens sont capables euh, de faire des discernements, et sont capables de, 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 de choisir, et de mettre également leur, leur biais psychologique de côté, et de ne pas suivre aveuglément, que ce soit moi. Euh, ou que ce soit n'importe qui d'autre. D'accord Je pense qu'on est quand même dans un monde où on a tellement d'informations aujourd'hui, qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, une immense majorité de gens, qui sont capables et dans la capacité de prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc ça aussi, tendance des fois à énerver de voir qu'on prend un peu les gens pour des idiots. C'est un peu dommage. Bref. Euh, je ferme la parenthèse comme d'habitude, euh, soit tech, donc euh, voilà pour moi les deux zones, pour le moment trading, alors trading, hein, trading bien évidemment, hein, trading c'est toujours la même chose, vous connaissez la philosophie, euh, trading il faut attendre une petite congestion, voilà, il faut attendre une petite congestion ou un rebond, une petite congestion pour voir la relance, pour revenir au moins alors, à, à l'entrée de gap, aux alentours des 110, puis à la clôture, aux alentours des 120, ok Alors il y a un titre par contre que j'aime beaucoup, moi, euh, qui est... Euh, notamment par, par beaucoup de, de gérants de fonds. Bah, c'est Mersenne. Alors c'est Mersenne. Euh, moi ce que j'aime bien sur Mersenne c'est que voilà on a ce, cette espèce de support oblique. Alors est-ce que je l'ai tracé en... Non je l'ai pas, hein. pas tracé en hebdo, je, je l'ai juste tracé en, en journalier. Bon on a un support oblique, alors c'est une tendance quand même plutôt globalement haussière. Les objectifs sont pas foufou. Le ratio gain risque est pas foufou, mais je pense quand même que c'est un titre qui a des capacités notamment fondamentales. Euh... En termes de trading, on peut imaginer un plan comme celui-ci, c'est-à-dire achat au-dessus des, alors <coughs> ou au-dessus des 36,75 euh, ou au-dessus un petit peu plus haut des 36,90, qu'importe, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est euh, de jouer le break pour aller chercher, dans un premier temps, la zone, je dirais, des 39,39 et 39 demi. Et puis éventuellement des 42, 42 euh, et demi, éventuellement après les 45, 46. Bon, bref, on verra. En tout cas, moi, je, je pense que c'est une belle tendance. Je pense qu'il euh, y a des choses à faire sur ce titre. Euh, maintenant, il va falloir valider. Il va falloir aussi, euh, là aussi, que les gens s'y intéressent un petit peu plus. Pour le moment, sa congestion, ça construit, mais il se passe pas grand-chose. Donc, il va falloir un petit break. Là aussi, hein, on le voit, hein, les volumes, voilà, c'est pas exceptionnelissime comme on a pu connaître euh, en 2018, comme on a pu connaître de même en 2020. Euh, on n'est pas sur des volumes euh, fous, hein, on est sur des volumes moyens euh, à 1,2 million euh, de capitaux euh, échangés, donc bah, ce n'est pas, pas dingo. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des valeurs que j'aime bien, qu'il faut potentiellement suivre. Une configuration que j'aime bien également euh, à suivre, c'est XFab. XFab, on l'a suit hein, depuis un petit moment, et vous avez dit, moi ce que j'attends, c'est le retour sur le support oblique. Bon, ce support oblique, vous le voyez, il est assez clair. Voilà, il est ici. Je vais faire mon petit euh, nettoyage. On avait tracé des, des, des obliques, etc. Donc, on revient sur un niveau qui est évidemment important. Support oblique plus niveau, vous le voyez ici, qui est un niveau, euh, de, qui est un niveau de, de support horizontal. Euh, donc, voilà. Pour moi, hein, c'est quand, euh, quand même un niveau important qu'il faut surveiller, qu'il faut suivre. Alors, il y a deux possibilités. C'est toujours la même chose ça dépend votre agressivité. Soit euh, vous décidez tout simplement euh, bah, de mettre votre petite euh, moyenne mobile et vous vous dites qu'à partir du moment où on arrive à repasser au-dessus, voire même à breaker directement les 7,21, on peut prendre une position avec un stop, il est assez clair, on va dire, sous le dernier plus bas, vous l'ajustez, hein, qu'importe. Qu'est-ce qu'on visera on visera, je pense, l'entrée de gap, comme souvent, l'entrée de gap. Ici, donc vous avez un ratio qui est pas mal. Alors J'ai mis le stop un peu loin, vous l'ajustez, bien évidemment. Et ensuite, évidemment, la clôture, la fermeture, plutôt, plus exactement, de ce gap. Je vous rappelle que le gap, il est ici. Il n'est pas en bas de la bougie, il est ici. Puisque si vous vous mettez dans une unité de temps inférieure, vous vous apercevrez, bien évidemment, qu'il y a un trou de cotation. Puisque la bougie a clôturé ici et a réouvert. Euh, ici avant de monter en séance ici donc entre les deux c'est la zone euh, de, de gap qui a été euh, qui a été ouverte donc c'est un trou de cotation un trou de cotation c'est un gap euh, donc euh, voilà la fermeture éventuellement par là le, le, et l'entrée de gap par là donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal après euh, ça c'est pour donc, les plus agressifs les moins agressifs euh, d'entre vous encore une fois chacun fait comme il veut chacun euh, de la manière et investit de la manière qu'il souhaite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, sinon ça se saurait. et euh, eh bien voilà, vous tracez votre oblique et vous vous dites que vous allez attendre la cassure de l'oblique, la petite congestion pour vous, euh, à ce moment-là, un petit peu plus de certitude, on peut faire également les deux hein. on peut également mettre une demi-position et se dire je renforcerai la casseur de l'oblique après la congestion etc etc tout est possible, on repasse sous les euros, on redevient extrêmement prudent parce que à l'image de ce qui s'était passé sur Soitec c'est peut-être que tout simplement le train est terminé ça je n'en sais rien, ce que je sais c'est que là on est sur une zone qui nous offre un beau ratio gain sur risque si on a après le déclenchement des signaux euh, techniques que je viens euh, d'indiquer, ok <coughs> euh, Pardonnez-moi. Euh, donc, euh, XFab et Ramé. Euh, bon, et Ramé, toujours pareil, hein euh, Iramé, on la suit, donc souvenez-vous, on la suit depuis le, voilà, le la, la grosse congestion qui est, qui est ici. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on a fait le break, on fait le pullback, donc là on a une un inside bar qui est intéressante, réduction de la volatilité. Les plus et agressifs d'entre vous pourront tenter un achat au-dessus des 70, 75. Les moins agressifs d'entre vous euh, ou pourront faire les deux, hein, comme d'habitude, pourront acheter au-dessus des 73,25 Les trois zones pour moi d'objectif, ce sera un revenir là aussi à l'entrée de gap et à sa fermeture de on va dire aux alentours des 85 euros. Euh, deuxième zone d'objectif, on l'avait euh, indiqué, c'est aux alentours des 106. Troisième zone d'objectif, c'est aux alentours des 160. Donc vous voyez, en termes de ratio gain-risque, c'est quand même intéressant. C'est pas un dossier sans risque, et hein, euh, ramé quand même. Il faut faire attention. Donc, euh, monnaie, managez-le aussi. Ne euh, faites pas n'importe quoi. Je sais qu'il y a des, des petits, euh, selon les échos que j'ai, ce n'est pas un, un titre totalement dérisqué quand même. Mais bon, à ce stade, euh, pour le moment, hein, c'est toujours pareil, le graphique, le graphique, le graphique, et pour le moment, le graphique, il nous dit de la neutralité, de la congestion de la construction. Donc les constructions, si elles cassent par le haut, ben ma foi, on pourra éventuellement tenter quelque chose. Une qui est baissière. Euh, et qui, on nous en parle aussi depuis un petit moment, qui est en train de construire, alors, toujours pareil, au moment où tout le monde disait c'est fini, c'est là où les actions font, font leur rebond technique, c'est ALD. ALD, c'est toujours la même chose, cassure du plus bas, souvenez-vous hein, ce qu'on s'était dit, cassure du plus bas historique, c'est là où, généralement, vous avez des constructions qui s'opèrent. Donc, on avait le biseau descendant, on avait des cris, cassure par le haut, congestion, alors on avait... Tracer ce, 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 ce triangle, il n'a pas été totalement respecté sur la petite figure, voilà, et on avait dit, voilà, éventuellement au-dessus des 6,48€, 6,50€, on aura un petit signal, d'accord Donc moi je pars du principe que voilà, il y avait ce gap qui avait été ouvert, qui a été quasiment comblé, mais pas comblé tout à fait, et derrière on a relancé, considère que c'est un niveau important pour le marché, tant qu'on tient les 6 euros. Au niveau de LD, je considère que le rebond peut se poursuivre pour aller chercher quoi Dans un premier temps, la moyenne mobile à 200 jours. Donc dans la zone ici, on va dire grosso modo hein, 7 euros, 7 euros, 27 euros 30. Et ensuite, on visera le retour ici aux alentours des 8 euros 30. Si déjà on fait ça, déjà ce sera pas mal pour LD. Mais, voilà, ça construit, et on voit, hein, c'est pas, pas anodin ce qui est en train de se passer. Euh, je ne l'ai pas regardé en hebdo, mais j'imagine, voilà, regardez en hebdo, regardez un petit peu. Comme je vous le dis souvent, hein, on a la cassure de la moyenne mobile et derrière, regardez un petit peu où s'est fait la mèche en hebdo. Donc, pile sur la moyenne mobile ici, à 10 périodes et derrière on relance donc voilà, attention on est dans une tendance baissière on est sur du rebond technique dans un premier temps mais oui en plus il y a une espèce de, voilà, de, de figure de retournement euh, qui est euh, qui est intéressante ok il y, a, il y aura une seconde zone de résistance ici aux alentours des 7 euros c'est la zone d'objectif à peu près du premier premier objectif hein, j'avais dit quoi le premier objectif voilà, j'étais peut-être un peu non euh, oui c'est ça euh, le, le premier objectif c'est l'ellipse ouais, j'étais peut-être un peu tout petit peu ambitieux, premier objectif, revenir dans cette zone-là. Ok. Voilà un petit peu pour aller. Donc plutôt positif à ce stade. Attention, on est sur une tendance baissière de long terme. Hein, donc là aussi, du moment où on recasse par le bas, etc. Il faut arrêter. Il hein, faut sortir. Alors il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'en ai pris un tout petit peu dans un premier temps pour la suivre. C'est Alfen. Euh, C'est Alfen. Donc Alphen. Euh, hop là. Voilà, Alphen, ce qui est assez intéressant sur Alphen, euh, c'est la congestion. D'ailleurs, il y a une petite entrée là, donc qu'importe. Euh, Alphen, donc dans un premier temps, d'ailleurs, j'ai mis le stop un peu, un peu court, il faudra que je l'ajuste, qu'importe, parce que c'était de l'intraday. Mais je trouve que, en tout cas, voilà, pour le moment, on, est, donc, on a cassé, pour moi, hein, quand même une zone importante, et on revient, on a cassé, on revient et on fait la congestion. Donc là... Coupe. Euh, là, ce qui va être assez intéressant, c'est voir si éventuellement, voilà, on a éventuellement le break. Donc moi, quelque part, ce que j'attends, ce que j'espère pour pouvoir éventuellement renforcer après sur mon, sur, sur mon, mon portefeuille plus important, euh, c'est la cassure des 50,72. Et après, je vise euh, un retour potentiel dans cette zone ici. Voilà. Euh, donc un retour dans la zone des 60 euros voilà, pour faire simple euh, en revanche voilà pour moi il hein, faudra ajuster mais en cas de clôture sous les 47 45 je pense qu'il faudra être euh, grosso modo euh, un petit peu plus prudent d'accord et que là derrière voilà on reviendra faire vous voyez un double appui qui est intéressant là en dessous ce sera vraiment dangereux il faudra faire gaffe donc voilà c'est pas la meilleure configuration hein, du marché clairement. Ce n'est pas la plus belle, mais je trouve que voilà, la construction, la congestion était quand même assez intéressante. On verra si on a le, le bonheur que ça passe. Évidemment, l'avantage, c'est que le ratio gain risque il est très très bon. Hein. Donc là, vous avez un stop. Euh, voilà, vous avez un stop si vous rentrez à la date de clôture. Euh, clôture du jour, vous avez un stop à euh, 5% sur du Alphen et vous visez 20%. Donc euh, le ratio gain risque, pour moi, il est très intéressant. Il suffit que vous ayez raison euh, une, plus d'une fois sur quatre pour que vous soyez euh, rentable sur ce genre de trade. OK euh, je cite, alors je cite, elle est toujours euh, sur le même phénomène. Hein, je cite, euh, pour moi, c'est une construction donc on est sur une tendance qui, a, qui a était baissière et puis on est sur une construction hein, avec potentiellement un retournement. On le voit avec la MM. je l'ai déjà beaucoup abordé. Euh, je pense qu'on voilà, on est revenu sur le bas de range. Pourquoi pas euh, là au-dessus, hein, notamment des euh, 10,03 pour aller chercher la zone ici des 15,76 et après on visera si ça break, on visera euh, un retour. Là, je vous le mets là comme ça, en objectif, un premier retour en dessous des 18 euros. Et ensuite, euh, éventuellement, toute cette zone, là, ça fera loin. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout, tout est possible. Euh, aux alentours des 23. Donc vous voyez, hein, en termes de ratio gain sur risque, c'est quand même assez énorme. Euh, deux possibilités d'invalidation. Soit vous êtes vraiment long terme, bon, et vous invalidez sous le range. Mais euh, globalement, quand même, moi, je pars du principe que, vous voyez, il y a un petit plus bas, un petit plus bas, un petit plus bas. Je pars du principe que si on reclôture, grosso modo, sous les 13,20€, 13,25€, voilà, 13,25€, 13,26€, si on clôture en dessous, en clôture journalière, euh, ce sera plutôt négatif, d'accord Donc, les objectifs, je vous les ai indiqués en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal aussi. Esquerre, bien évidemment, Esquerre, qui est une configuration intéressante, hein. j'accélère parce que je, je suis déjà en retard, et je me suis engagé à faire euh, des épisodes de moins d'une heure. Euh, donc, on en avait parlé dans la congestion là, ça a briqué. Donc, pour le moment, c'est. Euh, voilà, alors, elle n'est pas facile à trader Scar parce qu'elle fait beaucoup de mèches, etc. Euh, mais ça ressemble d'ailleurs un petit peu à la config de, de Justit. Hein, vous voyez, avec ce phénomène là, ici, de, de range, une tendance baissière, un range, le range est cassé par le haut. Et donc, ce que je veux, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir une construction, la construction est un peu haute, je préférais une construction un, un petit peu plus basse avec un retour, une bonne congestion par là, pour pouvoir rejouer le, le break. C'est un petit peu violent là sur la hausse, ok Donc c'est ce qu'on va attendre, c'est ce qu'on va surveiller. Pour le moment, RAS, tant qu'on reste au-dessus, grosso modo, en clôture journalière, parce qu'elle aussi a tendance à faire des mèches, tant qu'on reste au-dessus des 160, pour moi, esquer on est plutôt dans dans une dynamique plutôt euh, plutôt favorable, ok S30, euh, alors je crois qu'il publie bientôt, donc attention, euh, euh, c'est une tendance baissière là aussi, voilà, pour autant, pour autant c'est de la construction, donc on verra, ça va mieux, hein, on a quand même ralenti nettement le momentum baissier, voilà, depuis on va dire depuis, euh, depuis deux ans, à peu près un peu moins de deux ans, quand même ralenti nettement, pour le moment je manque deux points d'impact, il y a du trading éventuellement à tenter, condition que vous, vous ne jouiez pas, pardon, les résultats. Euh, il y aura peut-être du trading à tenter au-dessus des 2,14€ pour les chercher à MM200 et pour les chercher l'oblique ici. En rouge. Voilà. Mais euh, ça reste du trading à ce stade. Euh, et il va me falloir plus de choses. Donc deux possibilités si vous voulez rentrer après les résultats, etc. Moi, je vois deux scénarios potentiels. Soit effectivement, après les résultats, vous avez une congestion par là. Donc c'est intéressant. Mais idéalement, la cassure, la congestion. Ou alors... Ici, un retour pour la congestion et ensuite jouer ce phénomène-là. L'avantage, c'est qu'elle a tendance sur le support oblique, vous voyez, d'en de, faire hein, des congestions. On en avait deux, quand même, qui étaient plutôt intéressantes. Euh, donc, idéalement, j'aimerais avoir la même chose sur les trois zones qui sont par là. OK Ou alors, trader, voilà, trader agressif, hein, vous pouvez déjà le, le tenter. Là, on, une, on en a une belle. Mais voilà, c'est pour euh, réserver... Pour les traders plus agressifs qui n'ont pas peur de retenter plusieurs fois leur chance etc etc euh, next city donc next city euh, alors moi j'ai repris une toute petite position là pour la suivre alors pour jouer du rebond technique hein, parce que je pense qu'on va finir de toute façon par aller tester les plus bas historiques qui sont aux alentours des sous les 6 euros mais en attendant évidemment hein, il faut savoir que la bourse ben, ça va rarement en ligne à droite et que voilà vous pouvez avoir à un moment donné des rebonds techniques dans une tendance baissière vous voyez donc vous pouvez très bien avoir un rebond technique pour pouvoir après repartir à la baisse. Et ce rebond technique, ben, parfois, il peut être juteux, hein, parce que vous pouvez avoir un rebond technique de 10, 15, 20% sur quelques séances. Donc c'est du trading de contre-tendance, c'est réservé euh, à une catégorie d'investisseurs, de, 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 hein, notamment les traders agressifs, euh, en général un petit peu plus expérimentés. Euh, Je n'ai pas dit meilleur, hein, j'ai dit plus expérimenté. Euh, donc voilà. Tout ça pour dire qu'il faut savoir ce qu'on trade. On est toujours dans une tendance baissière. Comment on le vérifie ben, Vous mettez votre graphique en hebdomadaire. Vous regardez où est la moyenne mobile à euh, 10 semaines. Vous regardez si elle est haussière ou baissière. En l'occurrence, elle est baissière, on le voit puisqu'elle est en rouge. En l'occurrence, on est sous la moyenne mobile, donc également à euh, 10 semaines. Donc on est bel et bien en tendance baissière de moyen terme. Et pour le long terme, c'est strictement la même chose. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 10 mois, qui est baissière. <laughs> Pardonnez-moi. Euh, et donc, il n'y a pas de sujet, on est bel et bien en tendance baissière. Donc, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on rentre dans une unité de temps plus petite, journalière ou 4 heures, euh, ça s'appelle de la contre ça du trading de contre-tendance. Donc il faut bien savoir que on prend ce qu'il y a à prendre et qu'à un moment donné, voilà, si euh, derrière on repète à la baisse la moyenne mobile à 10 jours, pour prendre sa perte, euh, plutôt que d'accumuler bêtement parce que voilà, vous pouvez avoir une baisse, derrière, si ça repète à la baisse. Pour avoir une baisse supplémentaire de 40% et là ça fait très mal donc certes 10 euros c'est pas cher mais euh, 6 euros c'est encore bien moins cher hoffman alors je suis assez content euh, hoffman parce que c'est une valeur que j'aime une petite valeur que j'aime beaucoup et puis euh, certains l'ont pris il euh, y avait effectivement le triple top là ici là qui était intéressant à prendre et derrière ça ça a boosté alors il y en avait il y avait euh, également un triple top là qui était intéressant Voilà, vous allez des 9 euros. Et il y avait le second. Euh, qui était là également euh, aux alentours des 10 euros. Vous voyez, c'est ouais, du trading qui fonctionne très bien en tendance haussière. Donc là, pareil, j'en parle depuis un petit moment hein, de ce titre-là, avec une tendance baissière qui est en train de se neutraliser, etc. Donc moi, j'ai véritablement l'impression que c'est un titre qui est en train de se retourner. Euh, D'ailleurs, on a un double top ici. Alors le problème, hein, c'est toujours la même chose, il faut faire attention. Là-dessus, c'est 100-157 000 euros échangés en moyenne par jour. Donc c'est relativement peu, c'est pour les petits portefeuilles, il faut faire attention. Donc là aussi, hein, toutes les valeurs que je vous présente dans cette vidéo, pensez bien toujours à aller voir les carnets d'or. Hein. Si vous ne pouvez pas rentrer, ne rentrez pas, hein, clairement. Ok, donc pour moi, très positif. Euh, voilà. Euh, ce qu'on aimerait éventuellement. Alors, évidemment, comme ce n'est pas très liquide, il euh, faut être honnête, l'analyse technique réagit souvent un petit peu moins bien, quoique. Euh, mais en tout cas, voilà, tant qu'on reste au-dessus des 10,56 je pense qu'il faut continuer de payer le titre et qu'il y a un réel potentiel euh, voilà pour revenir hein. moi ce que je vise c'est un retour euh, si tout va bien dans la zone voilà qu'avait fait donc support ici en 2020 donc c'est la zone des 15 euros euh, support ici en 2022 et support ici en également 2022 allez je vais la faire un petit peu plus large voilà toute cette zone ici d'accord donc à moyen terme hein, l'objectif pour moi ce serait de revenir euh, par là D'accord Avec, je l'espère, une belle construction, etc., etc. Et après, on verra. Ça fait quand même un potentiel de 50%, je pense, à peu près. Hein. Voilà. OK Donc, on verra, là aussi. On essaiera de faire le suivi, également. Euh, mais ça peut être, pourquoi pas, assez intéressant. Il y en a une qu'on a proposée, également, euh, à proximité du support oblique. Hein, C'est Ipsen. Euh, Ibsen, vous l'avez vu, elle a bien braqué. Elle a bien suivi le scénario qu'on s'était promis. Euh, du moins qu'on avait imaginé, euh, donc euh, retour sur le, le support oblique euh, évidemment on a euh, derrière la figure de congestion, vous avez dit voilà on a breaké, on fait le pullback, on relance donc c'est intéressant, on bloque toujours sur la grosse zone de résistance donc pour le moment attention on ne parle pas de retournement, pour le moment tout ça là c'est du rebond technique mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voilà, peut imaginer là aussi une figure de retournement avec de la congestion pour pouvoir relancer. Je rappelle que Ipsen, alors c'est un dossier qui peut être spéculatif, peut avoir des news, etc. Mais Ipsen, euh, jusqu'à preuve du contraire, déjà sur le très long terme, c'est une tendance haussière. Et surtout depuis euh, 2020, c'est une tendance haussière. Ça fait quand même plus de 4 ans euh, que nous sommes sur une belle tendance haussière. Donc une tendance haussière, on achète sur repli et notamment à proximité. C'est là aussi où les investisseurs euh, ont de l'intérêt et je l'ai vu notamment. Euh, et encore une fois, je vous en remercie pour la vidéo précédente. C'est là aussi où des investisseurs peuvent avoir de l'intérêt de s'intéresser euh, à l'analyse technique parce que notamment les zones de support oblique, etc. sont des zones sur les tendances haussières qui sont toujours, 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 on le voit ici, euh, dans les ellipses jaunes, qui sont toujours en général intéressantes pour investir sur des valeurs qu'on aime beaucoup. <coughs> Voltalia, alors attention Voltalia il publie bientôt, euh, de mémoire. Euh, du moins, il faut le, le surveiller. Mais qu'est-ce qui m'intéresse On le sait, hein, c'est de nouveau euh, le cassure du, cassure du plus bas historique. Et c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on casse le plus bas historique, d'accord Ici, tout le monde dit, ça y est, c'est la fin du monde. Et c'est là où, généralement, on a du rebond. C'est là aussi, où on peut avoir des accélérations baissières, il faut être honnête. Donc, attention quand même. Pour autant, voilà, là, c'est du trading pur hein, de, de contre-tendance. On a, voilà, la cassure de l'M10, le pullback. Euh, achat potentiel au-dessus des 7,79€ attention aussi à faire euh, à ne pas trader le titre s'il si publie ok euh, il me semble qu'il publie la semaine prochaine il me semble mais euh, je me confonds peut-être avec une autre qu'importe en tout cas vérifiez bien les dates de publication ok euh, donc l'oblique là euh, on peut également en ajuster une toujours la même chose ça dépend également de votre profil pour le moment ce qui est intéressant c'est que voilà cette oblique là elle est en train effectivement de, euh, bah, de donner des signaux techniques intéressants. On verra. C'est plutôt pas mal. En revanche, attention, si on repasse sous le niveau des 6 euros, attention, attention, ne moyennez surtout pas. Hein, si derrière, voilà, si on, si on valide la cassure des 7,80 euros et qu'on relance très bien, vous accompagnez, mais à, à, à l'inverse, si on repasse sous la zone des 6 euros, attention, derrière, on pouvez avoir des accélérations baissières. Toujours la même chose, dans les tendances baissières, pensez à vos invalidations moyenné c'est jamais une bonne chose moi je, je suis convaincu sauf pour de l'accumulation pour de l'investissement long terme sur des très belles valeurs c'est jamais une bonne chose euh, sauf sur éventuellement voilà de l'accumulation et sur les tendances haussières ne faites jamais 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 au grand Dieu jamais ne faites jamais d'accumulation sur des tendances baissières d'accord c'est là où vous allez flinguer des portefeuilles d'accord des positions et des portefeuilles donc dans les tendances haussières sur repli D'accord euh, Éventuellement, vous pouvez vous dire bon, ben là, j'accumule un petit peu, j'accumule un petit peu, mais je suis dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, d'accord Dans une tendance baissière, ben bien évidemment, le problème, c'est que vous allez accumuler là, vous allez accumuler là, vous allez accumuler là, mais finalement, vous, votre pru ne fait que baisser. D'accord Donc, attention de bien vérifier que dans les baisses, vous pouvez accumuler à condition que ce soit des baisses dans une tendance haussière de long terme. Donc que ce soit des baisses qui interviennent euh, potentiellement euh, voilà, dans des zones comme celle-ci, par exemple. D'accord Ok J'espère que je suis clair, je, comme je suis un peu fatigué, peut-être que je ne le suis euh, pas trop. Euh, voilà, un petit peu Donc, pour Voltalia E, Néo, alors bon, E, euh, c'est plutôt là aussi de l'investissement. Alors il y a deux zones. Hein. Il euh, y a deux zones, il euh, y en a une, alors elle n'a pas été touchée, un peu les boules, ce qui ne manquait pas beaucoup. Euh, je visais les sous les 9 euros, on a fait le plus bas à, à 9,12 euros. Ouais, il ne manquait pas grand-chose. Mais voilà, j'avais deux zones, un hein, sous les 9 euros jusqu'à 8 euros, et ensuite, et ensuite, et <laughs> ensuite, à proximité donc, du support oblique. Donc là aussi, peut-être aux alentours des 7 euros et quelques. Donc voilà, toute cette zone. Pour vous faire un résumé, toute cette, dans toute cette zone, si on y revient, ça peut être de l'accumulation. Là aussi, vous voyez, on est sur une tendance haussière depuis euh, 2009. Donc ça fait quand même euh, 15 ans, je suis pas très fort euh, dans les calculs, mais ça fait quand même euh, plus de 15 ans. On est sur une tendance haussière, donc le plus probable c'est que derrière on ait euh, une reprise de la tendance haussière de long terme, d'accord. Donc toute cette zone ça peut être une zone d'investissement trading, pas facile, pas facile trading parce que vous le voyez, regardez un peu le, les mouvements, hein, c'est vraiment pas évident. C'est plus du trading au carnet d'ordre que qu'autre chose sur, sur ce titre là. Ok, bon là aussi il y a très peu de volume échangé, vous hein, voyez, c'est euh, alors il y en a eu, il y a eu des gros volumes là. Euh, je dis, mais on a des séances où on a 20 000 euros échangés. C'est pour ça que c'est pas évident à trader. Valneva, alors c'est une tendance baissière, hein, bien évidemment, hein, depuis, euh, depuis le depuis le Covid, euh, depuis très exactement euh, voilà, le top ici à 30 euros euh, en 2021. Depuis, c'est une tendance très baissière. Bon, voilà. Après, euh, c'est une tendance vraiment très baissière, y compris de long terme, parce que pour moi, il y avait cette trendline ici qui n'a pas tenu. Donc, très sincèrement. Là aussi, en plus, il y a l'effet spéculatif, etc. Donc, il faut faire gaffe. Comme d'habitude, je vous parle de tout, hein. moi il n'y a pas de problème. Mais Valneva, voilà, c'est vraiment public averti, trading, euh, bon money management, etc. On parlera de mieux sur Valneva quand on arrivera à repasser au-dessus euh, des 4 euros, pour faire simple. Et qu'on arrivera à se remettre en embuscade à proximité de l'ancien support oblique qui fera après euh, résistance. Bon, pour autant, en termes de trading, bon, voilà, oui, effectivement, il y a un petit truc éventuellement pour pouvoir euh, tenter quelque chose au-dessus des treize. mais très sincèrement, voilà, ça reste de la construction dans, une, dans un trend baissier. On peut imaginer, euh, voilà, éventuellement un petit peu mieux, mais ça reste de la tendance baissière et à tout moment, vous pouvez avoir vous pouvez avoir une reprise de, de la tendance baissière ok voilà Ubis, une, Ubisoft c'est une tendance baissière également mais il y a de la construction c'est pour ça que je vous la montre euh, sur le secteur des, des, des jeux vidéo qui a énormément souffert euh, voilà alors on n'est pas revenu n'importe où hein. on revient sur un trip appui, une, une zone qui avait fait résistance ici en 2015 support ici en 2016 support ici en 2023 support ici en 2024 et un nouveau support alors, ce qui est assez intéressant, vous allez le voir, hein, c'est le travail de la moyenne mobile à 10 jours, voilà, qui est ici, qui avait fait résistance, et qui, là, voilà, on a breaké, et on fait la petite, euh, le petit pullback avec la petite congestion, avec pas trop de volume. Donc, c'est assez intéressant euh, pour du trading également. Attention, vous pouvez avoir des news là aussi, mais oui, pourquoi pas, euh, pour vouer un retour en mode trading éventuellement, voilà, dans un premier temps, on va dire à, à peu près 50%, euh, de, la, de la baisse voilà, aux alentours des 21,50 euros, et ensuite éventuellement le premier euh, top ici. Il y a un petit euh, gap également là. Voilà, il y a un petit gap ici à aller, à aller chercher. Pourquoi pas? Et après, il y en a un second beaucoup plus haut qui est ici. Bon, il y aura du boulot hein, d'ici là, mais je trouve que voilà, c'est pas inintéressant. Il y a quand même une belle congestion là, on le voit avec les bougies précédentes, etc. Donc je pars du principe que quand même c'est pas totalement inintéressant. In je pense que je vais la, je vais la surveiller également la euh, semaine prochaine. OK. Pour du swing, hein, même, pour, même pour du swing. Après, moi bon, les managements défensifs, hein, là aussi, on sait ce qu'on trade, on sait qu'on est dans une tendance baissière, etc. etc. J'accélère. Valéo. Euh, Valéo, euh, donc Valéo, alors c'est une pareille tendance très baissière, etc. etc. Première zone euh, très importante, qui est cette zone, zone de friction ici en 2011, 2010, 2012. Zone de support ici en 2020. Et là, on est revenu dessus. Attention, attention. Si cette zone-là lâche, euh, barrez-vous. Barrez-vous, parce que là, pour moi, ce sera un retour euh, sous les 5 euros. Maintenant, pour le moment, elle n'a pas lâché. Je reviens à ce que je disais en début de vidéo. Tant que la zone ne lâche pas, il ne faut pas anticiper quoi que ce soit. Pour le moment, ce que je vois, c'est la construction avec la rupture ici du, de la résistance oblique et la petite congestion qui se met en place. D'accord Pour le moment, il n'y a pas véritablement de signaux. Pour moi, le signal technique positif sera une clôture journalière au-dessus des 11,76€. Tant qu'on tient, qu'on arrive à breaker les 11,76€ et qu'on tient la zone... Euh, je dirais même, voilà, tant qu'on tient la zone des 10,65, pour moi, on peut jouer du rebond technique. J'ai bien dit du rebond technique dans un premier temps, parce que pour moi, tant qu'on repassera pas à moyen terme au-dessus de cette zone ici en rouge, donc tant qu'on repassera pas au-dessus des 15 euros, on va dire, ce sera que du rebond technique, d'accord On pourra faire ça, ce sera très beau, il y aura de quoi en profiter, mais derrière, on peut avoir derrière le, le retour de bâton, d'accord pour autant, du tra un trader, ben, ma foi, si on va rejoindre là et qu'on fait 20%, on sera très content. D'accord Donc, toujours la même chose, bien comprendre euh, dans, dans quel horizon de temps, dans quelle temporalité on trade, et bien comprendre dans quelle tendance on est. Euh, Lorsqu'on regarde la tendance mensuelle, qu'on met une moyenne mobile à 10 mois, c'est assez clair. Lorsqu'on met la tendance hebdo, il y a un petit peu de mieux. Voilà, on le voit, il y a un petit peu de mieux. Mais c'est de la neutralité. Voilà, on, on tente, depuis deux semaines, on tente de passer. Mais c'est de, de la neutralité, d'accord Donc on sait ce qu'on traîne, encore une fois. OK? Mais le ratio des risque, oui, est intéressant. Euh, et c'est toujours la même chose, je préfère vous parler des valeurs. Voilà, le jour où on sera à 14 euros, c'est là où tout le monde tweetera, Valéo, haut, Valéo. haut, ce sera évidemment sur résistance, et c'est là très certainement que ça rebaissera. Je préfère vous parler des titres en avance, même si évidemment j'en suis conscient. Euh, le taux de réussite est beaucoup moins bon. Mais encore une fois, je vous fais confiance pour faire le, le discernement. Euh... Trigano, ouais, Trigano. Alors bon, ben Trigano, elle est bien progressée. Alors moi, je pensais... Alors, il y a eu les, les, les résultats, bien sûr, hein, qui ont changé la donne. Donc, on en avait parlé. Donc, Trigano, c'est une tendance haussière, hein, toujours la même chose. Beaucoup de volatilité. Euh, on en avait parlé sur la vidéo du 26 janvier. On avait proposé un achat au-dessus des 144. Il y avait deux objectifs. Euh, un objectif qui a été euh, touché ici et il y en a un second là-haut. Bon, on verra. Euh, donc pour le moment, euh, j'avais euh, fixé un premier objectif sur le haut de canal ici. Il y a eu effectivement le reflux, mais derrière, voilà, l'annonce des résultats, etc., etc. Euh, donc bon, voilà. Euh, si vous êtes intéressé, il faut pas acheter hein, là moi il faut attendre éventuellement une petite consolidation voir si le haut de ce canal tient si ça congestionne et ensuite vous voulez la relance donc évidemment on ne peut qu'être positif à ce stade de riches bourse c'est une tendance baissière euh, mais je trouve que le titre a de l'intérêt donc c'est une tendance baissière là aussi depuis euh, 2022 c'est une tendance plutôt haussière, voilà, haussière à neutre hein, de, de, de long terme. C'est assez cyclique. Vous voyez, il y a des, 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 des pics ici, on, re, on repart à la baisse. Il y a un pic ici, on repart à la baisse. Il y a un pic ici, on repart à la baisse. Il y a un pic ici, on repart à la baisse. Et donc, il y a une zone qui est intéressante. Hein, où on, où on se parle effectivement, puisque c'est une zone de support oblique. Biseau descendant. Le biseau descendant a été cassé à la hausse. Il y avait la petite congestion qui a recassé. Euh, donc c'était euh, voilà, un mauvais signal. Euh, et puis derrière, voilà, là on le voit, ben ça patine, ça patoge, mais c'est pas encore tout à fait perdu. Voilà. Et là je considère que quand même, si on arrive à... Tant qu'on tient, voilà, qu tient cette zone ici, des 4,10€, euh, on peut jouer effectivement, et tant qu'on tient la, la moyenne mobile à 10 jours, on peut jouer éventuellement du robot un petit peu plus, plus, pour aller chercher la MM200, pour aller chercher cette zone ici. Pas de retournement à noter, hein, tant, je vais la mettre en rouge, tant qu'on ne repasse pas euh, au-dessus de moyen terme, hein, je parle, hein, tant qu'on ne repasse pas pour moi au-dessus des 5 euros, euh, 15, 5,15€, 5,20€, hein, ce ne sera que du rebond technique. Hein, D'accord euh, On parlera vraiment de retournement lorsqu'on breakera, lorsqu'on congestionnera, qu'on construira et qu'on relancera. Et là, je vous serai le premier à vous dire, ce sera, euh, ce sera véritablement du retournement moyen terme. Pour le moment, on ne que du rebond technique. Mais vous voyez, du rebond technique, il peut y avoir. 7 à 10 à 15% de rebond technique. Et d'autant plus que si après voilà, vous prenez une position ici et que vous êtes à plus 15 là-haut, vous pouvez vous permettre de jouer un stop un peu plus large pour jouer le retournement moyen long terme. Et derrière, accompagner une tendance en fond de portefeuille. C'est là où c'est intéressant. Imeris, alors j'aime beaucoup le, le titre. La, le titre 1 et 2, la configuration du titre. Pourquoi Parce qu'on le voit sur du long terme. Euh, vous le voyez. Euh, mais je supprime ma, ma moyenne mobile hop je vais la réafficher hop voilà ça sera mieux quand même avec ma moyenne mobile euh, d'ailleurs je l'ai mise un peu trop en gras là ça ne va pas voilà on va le remettre comme ceci ce sera mieux donc ce que j'aime bien voilà alors donc déjà je vous disais hein, sur le long terme c'est qu'on n'est pas euh, on ne s'est pas appuyé n'importe où vous voyez depuis 1995 toutes ces zones là et donc euh, on a briqué euh, cet oblique ici en rouge et derrière on construit. Et ce que j'aime bien dans la construction, alors c'est pas un titre facile, il faut faire gaffe, hein, il fait des mèches, il est erratique, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est la congestion au-dessus de la M10 journalière. Donc voilà, pourquoi pas. Hein, je pense que premier signal au-dessus des 31,80 et on parlera là aussi de retournement. Toujours la même chose, au-dessus de cette zone ici en rouge. C'est euh, la même chose que les titres précédents. C'est du rebond technique à ce stade et on parlera de retournement au-dessus des 33 euros. Ok. Interparfum, donc là aussi c'est euh, comme euh, voilà beaucoup de, de trends. Hein. Euh, pour moi c'est un titre intéressant. Donc on avait la zone de support oblique et ce qui est assez sympa c'est que j'ai l'impression qu'on parle plus du titre, très peu alors qu'on en parlait beaucoup dans, les, dans la baisse, on n'en parle plus du tout alors que lui il construit tranquillement et très bien. Euh, là il y avait une grosse zone alors elle n'est pas très très propre, hein. attention Interparfum elle fait des mèches aussi. Euh, elle est pas très très propre. On a une zone de résistance ici, résistance ici, support, support, support et on tient, et on tient le support. Donc là aussi pour moi, tant qu'on tient grosso modo pour faire large en clôture journalière, euh, tant qu'on tient les 50 les 49, 50, c'est l'achat. C'est l'achat pour viser euh, les 55 puis les 58. OK Donc pour moi très positif. VAC Pierre et vacances, elle est ici, donc on est toujours sur le même euh, scénario. Souvenez-vous, donc vous avez dit c'est tout un ce baissière. Il y a une construction euh, de figure. On avait imaginé une oblique, voilà, qui a eu lieu. Donc, du coup ici avec notre petite euh, construction, construction qui a fini donc par lâcher, par casser par le haut. Donc on a le petit signal. Maintenant, ce qu'on attend. Alors il y avait la congestion qu'on pouvait prendre, hein, la cassure, mais si vous ne l'avez pas prise, on va attendre la petite congestion supplémentaire ici pour aller chercher MM200 et éventuellement aller chercher donc, la zone ici euh, de résistance oblique. Donc il y a du chemin là, à parcourir encore, puisque grosso modo pour aller chercher l'oblique, hein, on aurait quand même presque 20% à aller chercher. On parlera pour moi euh, de, de grande prudence si on repasse... Alors évidemment au-dessus, en dessous, pardon, de la moyenne mobile à 10 jours, et surtout en dessous de ce niveau-là. Déjà, si on repasse en dessous des 11,13€, attention, c'est que peut-être on va lâcher. Et là, ça peut faire extrêmement mal. Ruby, alors je suis assez content parce que Ruby, j'étais... Euh, J'en ai parlé très tôt de Ruby, puisque souvenez-vous, on en a parlé ici, euh, à la fin de l'année. Et puis voilà, derrière, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de, de choses qui se sont passées. On <coughs> me dit, est-ce que c'est intéressant d'acheter Ruby Parce que, bon, l'aurait rentré, etc. Euh, Peut-être. Mais euh, moi, là, très sincèrement, je n'ai pas envie de rentrer. Hein. Je vous le dis de suite, quand je vois des, de tels volumes comme ça, je n'ai pas envie de rentrer. à minima, de grâce, attendez, attendez la congestion pour pouvoir retenter quelque chose. D'accord Attendez quelque chose qui soit similaire à ça. D'accord Si vous avez quelque chose de similaire à ça, vous tentez le break. Mais là, acheter à l'aveugle ici, le problème c'est que vous mettez votre invalidation où C'est ça qui est compliqué. D'accord Donc pour moi, il faut attendre ce genre de congestion. Ensuite, vous mettez votre stop donc, sous la congestion. Et ensuite, vous pouvez trader euh, une continuation du mouvement. D'accord Mais à ce stade, euh, c'est ce compliqué. Bon, on voit quand même qu'on ne s'est pas arrêté là aussi n'importe hein, où. Il y avait une première zone qui était ici. Il y avait une deuxième zone qui était là. Voilà. Et pour le moment, voilà. pour le moment ça bloque un peu ici. Après, les objectifs, ils sont impressionnants, hein, puisque c'est sûr qu'en termes d'objectifs, après, le, le niveau suivant, pour moi, c'est le niveau là, aux alentours des 40 euros. Donc, il y a du chemin à faire. pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller plus tard. Je dis juste que là, à ce moment précis, au moment où on se parle, c'est peut-être pas, en termes de stratégie, la meilleure, euh, la meilleure solution. Alors, en revanche, encore une fois, si vous avez la congestion, derrière, on jouera le break avec un stop sous la congestion et on voit la cassure voilà, pour pouvoir tenter un accompagnement jusqu'au 40 euros. Donc en termes de ratio gain risque, on le voit, le plan sera beaucoup plus clair et on aura un ratio gain risque qui sera beaucoup plus intéressant. Basic fit, alors vous le savez, on la suivait. <coughs> Je la suivais également pour euh, le support oblique à lâcher. était là. Euh, on suivait la congestion. Alors voilà, les support ça ne marche pas toujours, euh, malheureusement. Vous euh, voyez, donc il y a eu effectivement la belle congestion. Et puis finalement, cette congestion. <coughs> Pardonnez-moi. <coughs> elle a fini par casser par le bas. À partir du moment où on a cassé ici par le bas, derrière, pas bon. Bon, maintenant, après ça, pour, donc pour moi, la tendance est quand même cassée. Pour du romo technique, j'en ai parlé au-dessus. Euh, C'était donc jeudi, j'en ai parlé avec un achat potentiel au-dessus des 20,30. Derrière, il y a une très belle bougie, d'ailleurs. Euh, voilà, avec la réduction de la volatilité, belle bougie. Donc, pour moi, c'est pas mal. Je considère que tant qu'on reste euh, au-dessus... Voilà. Au-dessus de la moyenne mobile, ici, tant qu'on qu tient en clôture journalière les 19,65€, l'objectif ce sera, dans un premier temps, c'est du rebond technique, attention, euh, mais l'objectif ce sera de revenir aux alentours des 23 euros. Et après, il y a un gap aussi à aller éventuellement chercher sur cette zone ici. Donc entrée de gap 24,62, fermeture du gap 25,30, d'accord euh, on la suit également, donc pour le moment c'est très positif. Hein. Euh, ça suit un peu le scénario qu'on avait proposé. Souvenez-vous, donc il y avait l'achat ici sur le support oblique. Je ne vais pas revenir sur les, les précédentes analyses, euh, vous les avez. Ça fait partie des valeurs qu'on suit. On avait suivi le break, on avait suivi la congestion. Vous avez dit, bon, on va avoir certainement une congestion intermédiaire et on va avoir le break. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas encore pour moi quand même retourné hein, la tendance. Euh... Il va falloir s'installer voilà, à proximité des 31 euros. Mais pour autant, hein, pour le moment, c'est une très belle tendance. Tant qu'on tient, encore une fois, l'invalidation, tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours, faites attention en clôture parce que vous le voyez, elle peut faire des mèches à droite à gauche. Tant qu'on tient les 26,80, je considère que c'est plutôt une, plutôt une tendance également haussière. Euh, euh, Nikon, j'accélère décidément. Nikon, bon, toujours pareil, secteur de jeux vidéo, tendance baissière. Ce qui était intéressant, certains l'ont vu, euh, bravo à eux, c'était la congestion qui était en place ici. La congestion, comme d'habitude, sans volume, bon, c'est la contre-tendance. Bravo à ceux qui l'ont vu. moi je ne l'ai même pas vu. Euh, derrière ça, a briquet, donc c'est pareil, hein quand vous voulez un achat ici avec un stop à 5%, 6%, ben, derrière vous en faites 10%. Donc vous voyez, euh, c'est pas mal, je pense qu'on peut aller revenir tester cette zone ici. Donc, on va suivre éventuellement la congestion pour revenir tester. Attention évidemment, message de prudence si on repasse sous les 1,10€. Adosia, donc bon, c'est un dossier qui traîne. Hein. Voilà, c'est un dossier qui traîne. Faut faire gaffe quand même. Pour autant, techniquement, on n'a pas tout cassé encore. Euh, on est à la limite. Voilà. Si on repasse en dessous des, des 8 euros, faites très attention, on aura véritablement une dégradation. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on a quand même la, la figure, le biseau, etc. Alors, on connaît l'aspect spéculatif, etc. Avec Sanofi. Bref, je ne vais pas revenir sur le sujet. Euh, tant qu'on reste au-dessus des 8 euros, techniquement, je considère que c'est de la neutralité. Euh, il va falloir briser cette oblique, par contre, pour redevenir positif. Hein. Donc, euh, je vais la mettre en rouge. Tant qu'on reste là-dedans, c'est euh, de la neutralité. Il va falloir repasser euh, pour moi au-dessus de l'oblique. Euh, voilà, ici, pour pouvoir parler éventuellement de mieux. Nextedia, donc il y a eu... Alors Nextédia, le problème, c'est qu'elle est, qu est liquide. Hein. Euh, donc, il faut faire attention. Euh, J'avais émis un message positif en cas de, en cas de passage. Au-dessus des 0,61, on n'avait pas la congestion là qui casserait par le éventuellement. Euh, donc beaucoup ont dit j'ai vu ce, ce week-end que c'était fini, Nextedia. Bah non, hein, moi je suis pas d'accord avec ça. Euh, bon, les résultats ont été apparemment moyens. Alors c'est une entreprise moyenne, hein, Nextedia, hein, ce n'est pas, pas, pas Apple, quoi, hein, on est d'accord. Mais pour autant, moi ce que je vois à ce stade, euh, bah, c'est de la construction. Hein. Euh, alors il y a de la volatilité parce qu'encore une fois, bah, voilà, vous avez en moyenne 100 000 euros échangés, en moyenne 100 000 euros échangés. Donc vous avez de la volatilité. Hein. Volatilité de 10% sur Nextedia, c'est rien du tout. Hein. Euh, mais moi, euh, à ce stade, très sincèrement, tant qu'on tient la zone, c'est assez facile, puisque souvenez-vous, la moyenne mobile ici à 200 jours, on le voit, elle a fait résistance. Bon, ce qu'on voit ici, 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 ce qu'on voit ici, c'est que voilà, pour le moment, ah, c'est votre zone. Hein. C'est votre zone, c'est votre marqueur. Tant que vous restez au-dessus de ça, hein, tant que vous restez au-dessus des 0,56 centimes, ben alors on ne peut pas parler de tendance haussière, évidemment, hein. ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis suffisamment de bêtises seul pour pour qu'on qu ne m'en fasse pas dire en plus, mais pour le moment, moi ce que je vois, c'est la construction. Donc, euh, et cette construction, ben, rien ne me dit qu'elle ne peut pas casser par le haut et du coup relancer. Effectivement, on repasse sous les 56 centimes. Là, on redevient prudent et très sincèrement, je pense qu'il faudra euh, au minima, à minima alléger si vous en avez, sinon même pourquoi pas sortir. Mais à ce stade, au moment où on se parle, on fera le suivi. Mais au moment où on se parle, n'ai pas vrai, véritablement de d'alerte rouge, on va dire, d'accord C'est même plutôt, c'est même plutôt une zone à, à potentiel à surveiller. À surveiller, hein, je dis bien, si vous n'êtes pas investi. Il y a une belle tendance également, c'est Seb. Ah, Seb, c'est pas mal, hein. Seb, c'est pas mal. Alors, là où c'est pas mal, Seb, c'est quand on le regarde en mensuel. Voilà. En mensuel, c'est pas mal. Euh, regardez un peu. Alors, c'est une tendance plutôt haussière. Donc, on est revenu euh, ici. On a fait euh, ici le, la résistance. On est revenu en arrière. Et là, on a breaké. Et là, on fait euh, quand même un, un petit signal quand même qui n'est pas dégueulasse. Donc, il faut la suivre. Je pense que Seb euh, reviendra hein, tester les 144. Et après, on verra. Moi, mon scénario, c'est de venir après, derrière, briquer et relancer. Donc, à voir. Euh, si ça lâche. Si, alors, c'est valable. Hein, ce scénario est valable tant qu'on tient pour moi la zone des 100. Chiffre en plus important, psychologiquement parlant. Si on lâche les 100, retour pour moi, potentiellement ici. D'accord Et là, on verra. Mais pour le moment, ce n'est pas le scénario. Et le scénario, c'est plutôt chercher de l'achat. Euh, de l'achat, il euh, y en avait éventuellement un à tenter, donc au-dessus de cette zone-là. Voilà. Ben, elle n'est pas hyper propre, hein, voyez, elle est assez erratique, elle fait des gaps, etc. Euh, mais voilà, tant qu'on tient, alors à très court terme même, tant, tant qu'on tient à très court terme les 110, 111, c'est plutôt positif. Et effectivement, euh, chaque congestion peut être tentée pour de l'achat. OK, pour aller chercher la zone d'objectif des 144. Encore une fois, tant qu'on tient les 111 et tant qu'on tient les 100. On repasse en dessous, on invalide cette, euh, ce scénario, cette possibilité. Et puis je vais terminer euh, avec le titre à suivre. Alors le titre à suivre, vous le connaissez euh, quasiment tous, c'est Veralia. Ben Veralia, alors déjà il y a beaucoup, euh, il y a des fonds qui etc. Donc ça, ça m'interpelle. Et je trouve que la, la, la config est vraiment canon. Alors, euh, je vais être honnête, hein, on en a, nous, sur le salon. Donc, on est rentré ici à la cassure des 34-34. On avait tenté un achat par là, on s'était fait sortir, je crois, ou flat, ou en moins de value, enfin, je ne sais plus. Donc, on retente, parce que moi, je trouve que quand même le titre a l'intérêt. Mais là aussi, pour le moment, on bloque. On bloque, et là aussi, tant qu'on reste sous cette zone ici en rouge, donc tant qu'on reste sous les 36,5-37, euh, c'est du robot c'est de la congestion et il va falloir beaucoup plus. La construction commence par contre à être quand même très jolie et on visera comme objectif numéro 1. Ils sont là, je les ai donnés pour le salon. Objectif numéro 1, les 39,5 et objectif numéro 2, les et demi. Alors c'est un titre un petit peu mou, il hein, ne faut pas être pressé, mais je trouve que euh, voilà, ça peut avoir effectivement de, de, de l'intérêt. Voilà un petit peu mes amis, il euh, y aura euh, des bonnes euh, nouvelles puisqu'il va y avoir beaucoup de contenu qui arrive, là. tout est en préparation, ça met beaucoup de temps. Il euh, y aura donc un webinaire patrimonial qui est véritablement génial, j'espère que vous ne louperez pas parce que c'est très intéressant. Il euh, va y avoir également normalement une émission spéciale économique euh, qui va arriver avec un, un contenu spécial avec deux intervenants de très grande qualité pour essayer de vulgariser un petit peu l'économie, comprendre... Euh, comment et pourquoi évoluent les marchés, vers quoi on se projette, etc. Il va y avoir bien sûr l'émission sur le Bitcoin. Il va y avoir euh, très certainement également un live qui va arriver euh, avant l'été. Je sais que ça fait un moment qu'on en parle, mais je n'ai pas trouvé la, la bande passante, je n'ai pas trouvé le temps pour pouvoir euh, euh, faire tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de contenu. Et encore une fois, la meilleure manière de me remercier, la meilleure manière de faire que ce contenu 100% gratuit, je le rappelle, soit à votre disposition et qu'il y en ait de plus en plus, c'est de partager, de liker, de mettre un commentaire. Voilà. C'est la meilleure manière. Je ne vous demande pas d'argent, je vous demande rien, mais je vous demande juste, voilà, si vous pouvez mettre un petit mot, euh, donner des idées également, euh, donner des compléments d'analyse. C'est toujours extrêmement intéressant. Et là aussi, la semaine dernière, hein, beaucoup d'entre vous m'ont donné des idées de vidéos. Et ça, moi, j'adore. Euh, donc vraiment, si vous avez des idées de vidéos, euh, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Croyez-moi, j'en tiens compte. Je vous embrasse bien fort. Euh, passez un bon week-end de Pâques. Euh, profitez de vos proches, éventuellement de, de vos enfants. Euh, et, puis, euh, et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. À plus. Bon week-end. Bye bye.